Salut à vous les amis, on est parti. Petite game sur Kaisa. C'est une game qu'il faut gagner. Hein. On est à une win du challenger. Bon, les petits jours de vacances m'ont fait mal. En termes de LP et de MMR perdu. Et du coup, on remonte tranquillou. On a un compte qui a perdu 150 LP pour une activité qui est à 100 LP du tchal. Et ce compte-là qui a une win du tchal. Du coup, il faut récupérer le double challenger hein, qu'on avait juste avant de partir en vacances. Et donc voilà, on est parti en tout cas. Ils ont vraiment un très très bon match-up en face. Ça va pas être facile. Oh putain, j'ai couru dedans. Essaye de push ça fast. Ok. Je sais pas trop comment on va s'en sortir. Il nous faudrait des gangs. Je vais pote maintenant. Ok, elle a pris le Black Shield. Ok, elle a mis un bon E. Faut que je fasse gaffe parce que c'est vraiment. Je joue TP en plus, ouais. C'est vraiment dur. Genre, Syndra, c'est un très bon pick contre Kaisa. Elle me trange beaucoup. Après, je joue de scale hard, mais. Bon, la lane en tout cas, elle a un très bon match-up. C'est de la poke. Bon, je sais pas trop comment j'ai touché Morgue en toute honnêteté. Je vais avoir des sucks où on se fait dive. Je joue heal, donc ça va, on peut se permettre de prendre un tout petit peu de risque. Prendre la wave et je back, je pense. Si je veux back. Je vais prendre épée longue, potion rechargeable. Ouf, il a fait une cancel avec une comète. Peut-être aller chercher de l'early MR. Je verrai. Ils ont double AP bot en fait. Naughty stay. Ah, il peut pas, ouais. Il est trop low HP. Il peut Z. Il a toujours son Z. Z. Ok, merci. Nice, ça a cancel Syndra, c'est pas mal. Plus d'ignite sur Morgue. Le truc c'est quoi? En gros on n'a pas de potentiel de go-in parce qu'ils ont Morgana et ils nous outrange parce qu'ils ont Syndra. Du coup c'est pas facile. D'où la difficulté du match-up. On va voir pour prendre ça avec un Q. Pas un Q, un W. J'ai hit. Je veux hard push là. En fait, elle a une TP, je veux essayer de forcer la TP. Ok, elle TP bot. Je sais pas si on pourra. Il faudrait qu'on arrive à trouver un bon trade là sur le temps où il n'y a pas Morgue. Oh, on va juste push du coup. Ok, Morgana est là, la back aussi. On a item support rang 2 sur Naughty, ce qui est pas mal. Je vais pink ici parce qu'il y a Gragas bot side, mais je pense qu'on pourra pas trop la def. La tour, pas la tour, la ward. Ok, clear la ward tree. Ça me donne de la pressure pour clear la pink, hein, c'est pas trop mal. Oh, il a mis une bonne cache, je vais me faire stun. Ouais, peut-être moyen de faire un truc. C'est un peu chaud, t'as mis une bonne cache, je vais aller prendre la plante là.
Il me faut au moins 1300 gold pour back avec la BF. Ah putain, il s'est fait dive top, il se fait fumer au top. Ça fait déjà fait solo kill deux fois. Je peux pas vraiment free ça, ok. Il me faut ça. Level 6, il y aura... Ouais, je suis pas sûr, plus moins de faire de trucs. Le truc chiant, c'est qu'il faut que je step les cages de morgue et les stuns de Syndra. Et c'est un peu complexe. Merci à toi, Valafol, pour le resub de 3 mois. J'ai un peu bégayé là. Ne mourrez pas, je panique. Je voulais pas qu'il flash en fait. Oh, il a tellement troll. Dommage. Il y a pas de... Dog autofill comme... Eh bah dis donc, Emric. Qu'est-ce qui se passe? Bon, la wave va être horrible, hein. Tant pis, hein, je l'ai un peu enculé. Il a vraiment mal joué, notre c'est dommage. En fait, je voulais qu'il ignite Morgue quand elle a step in. Comme ça, j'ai pas besoin de flash pour la tuer. Mais du coup, il l'a pas fait, donc j'étais un peu obligé de flash. Et après, il est un peu mort pour rien. C'est un peu dommage. Mais c'est ok, on a fait double kill. Ils ont... Yusa... Je sais pas si Morgana a flash, je crois, mais je suis pas sûr. Il est pas content, Emric, hein. Il y a Morgana mid, faudrait que j'arrive à push la wave fast. Du coup, la wave est horrible, hein, évidemment. C'est ok. Même... Oh, ouais, ça va, on vient de Q. C'est nice. J'ai au moins pris le canon. C'est fine, fine, je casse le freeze. Il est en roue libre, Emric. Il y a Morgue là qui bouge. Je vais prendre la wavebot tranquillou. Oh putain, merde, il y a tout le monde qui décale. J'ai plein de stacks, mais. Ah, ils vont faire le scuttle. Elle va juste ward, calme-toi. Je crois pas que Syndra ait ult. Je sais que Morgana a ulti, mais. Ils ont double stopwatch. Hein. On a plus ulti Nautilus non plus. Là, tout le monde sait qu'on y va. Hein. On a défendu, ok nice, on a défendu la marque, c'est l'essentiel. C'est ok. Vous pouvez pas trop aller chercher de kill vu qu'on décaille vraiment de manière obvious. Ouais. Je sais pas trop s'il peut vraiment gank. C'est un peu chaud en vrai. Hein. Donc, probablement la vision. J'essaie de le cover. Que okay, nice. J'aurais double kill, mais c'est bien. J'ai mon... Ok nice, je vais backlash, je crois qu'elle a sa TP. J'ai pas trop timé le truc. Ok, good job.
J'ai pas trop timé le truc sur sa TP, mais je pense qu'elle l'a. Là, on est bien pour le coup. J'ai bien timé mon Q, j'ai bien timé les trucs. Je vais prendre un tout petit peu d'MR. Je vais rien en faire pour le moment, mais juste pour pouvoir survivre, on va dire. Éviter de me faire one burst sur un stun. Ça peut vraiment faire la div 25 d'MR quand 99% de leurs dégâts c'est AP. Voilà, juste les auto-attaques qu'ils vont me mettre. Allez, Nautilus! Oh, il a mis le Q. Oh, catastrophe, il a encore mis le Q. Player on winning side. Oh, la ulti, elle l'a pas encore. C'est qu'il y a l'MQ. Ouais, dégagez de là, là. It's not about not going top, the play was really good. Ah bah, quand même, il y a eu 2-0 là. Oh putain. Oh, bien tenté. Aïe! Vraiment, il y a des gens derrière. Oh putain de merde. Putain, le ping nous a un peu fait bégayer pour rien. Hein. On a cancel le move alors qu'au final il y avait personne. Après il a pas ping, enfin s'il a ping c'est vraiment qu'il se doutait d'un truc, mais nous a quand même fait sacrément bégayer. Au final ça sort pas si mal. Ouais, je suis quand même mes dessus, moi je suis quand même beaucoup de trucs hein. What did they use? Je crois que Morg flash, on a eu le last stopwatch de Morgana aussi. Je crois que c'est un peu tout hein. Bot rang 2, ça a carry pour la MS. Bon, il va se faire dive au top, là il peut rien faire. Oh, bah si, il peut ulti. Ça me fait. On s'en bat les couilles de lui, genre. Le qui tape juste la tour. C'est vrai qu'il peut ulti avec Fant, c'est tellement busted. Bon, tant que je joue 300 gold de shutdown, c'est à dire que c'est pas trop la galère la game. Morg est morte. Y'a que Syndra. Bon, j'ai pas l'ulti pour tanker son ult. Ok. Je push sa fast, essayer de hit la T2. Je prie pour qu'il gagne, hein. Y a pas grand chose d'autre à faire. On a essayé Yasuo. Oh, well played team, really nice done. Oh là là, c'est exactement ce que je veux. Allez l'équipe. Quel boss, il a des couilles, Gragas, il a des couilles. Moi je me mets trop bien. Trin will be le problème. Oui, Trin Damer ça va être un problème, il est vrai. Allez, suce-les un peu entre elle et Red Partner. Par contre, je pense que j'ai fait que mon Red Partner, je pense. En fait, j'ai. Je vous explique. Hein. Hier, j'ai joué à TFT avec des amis à moi. En normal game. Et. En fait, j'avais un pote à moi qui jouait Brome. Et du coup, il jouait Brome, il avait mis genre double Thornmail avec Warmog. Enfin, Thornmail Warmog, mais genre super early, tu vois. En mode, après le premier carousel, il avait déjà ça. Du coup, son Brome était intuable. Et il faisait le malin en vocal. Et en fait, à un moment, quand j'ai joué contre lui, j'ai réussi à win et à tuer son Brome. Et j'ai écrit dans le chat, en majuscule, je suis pas très fier, hein, voilà, c'était un peu sous le coup de l'émotion, j'ai écrit « sale pute ». Et je pense que mon Riot partner, là, je peux lui dire adieu. Hein. Après, j'ai écrit dans le chat « désolé Riot, c'était en normal game ». Avec des amis pour rigoler. Mais
Je pense que je peux dire adieu au Rio partner. J'en suis un peu triste, mais bon. C'est une erreur, hein, c'est sous le coup de l'émotion. Et solo l'Hérald et tout, Tryndamere. Il le fume sans moi, lui. Gonage, gonage, c'est le plus important. Du coup, ouais, malheureusement, j'ai peur d'avoir perdu mon Rio partner. Après, je me dis, c'est début septembre, donc dans tous les cas, j'aurai le temps... J'aurais le temps de revenir. Bon, en tout cas, ça c'était un très bon move. Très bon move de l'équipe. Il faut terminer le Drake par contre. Oh, faut que j'ai miss. Enfin, Emric. C'est osé. Ça dit donc quand on fait 0-5-0. Il est en roue libre, Emric là. Ok, hop. On a l'upgrade du E, l'upgrade du Q. Les stats n'ont rien à voir. Ok. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Ah, c'est Wardella. Oh, fuck. Vite, vite, vite. Ok, nice. Je suis d'accord que les stats n'ont rien à voir au move qui vient de se faire, mais disons que c'est un peu cocasse de d'insulter toute son équipe puis de lancer un VTFF alors que... Disons que la partie se passe pas super bien, quoi, de son point de vue. Putain, j'ai pas réussi à sauver mon Ray. Je pensais pas qu'il avait déjà récupéré son ulti, Trinda. Après, tu me dirais, il a 20% de CDR et je pense qu'il joue... Ah non, il joue même pas avec le 10% de CDR en ring. Oh, Yasuo, il est bien dans la game aussi. Il a deux spikes, deux items. Il est juste 20% de CDR. Putain, le tir vient vite. Hein. Ils ont fait le scuttle. Merci, pardon, j'ai raté des subs. Oh putain, j'ai raté plein de subs. Pourquoi j'entends rien? Oh, excusez-moi, j'ai raté tous les subs. Rome de Mu, je crois que je t'ai remercié. Valafol, merci à toi pour les subs de 3 mois. Algoric, merci pour les subs de 18 mois. Wax, ne flamme pas tes supports, tu dois avoir l'habitude du soft hinting d'Antera. J'ai l'habitude du hard hinting de Tio surtout. Merci à Lism pour les subs de mois, merci à Moustoufio pour les subs de 15 mois, merci à Dremusigi pour les subs de 6 mois, TD Knight qui sub de 7 mois, t'as eu plein de subs. Attendez parce que je vais éviter de mourir quand même. Mais c'est une boss Mori. Putain, je suis mort de merde. Du coup j'en ai tout, au moins je peux y avoir les subs tranquillou. Merci du coup à TD Knight 7 mois, Tumtex 6 mois. Assumin Sensei 12 mois et Isiniel pour les stats de 22 mois. Nah, ouais, bien joué, bon Q ça. J'aurais pas dû mourir, j'ai perdu mon focus. Je spawn dans 5. Ah putain. Fuck le shield anti-magie. On tue la tour un tout petit peu trop vite.
Ah j'ai hit mais... Tu suffira pas. Chaud pour tenter le Nash là, on a pas mal de dégâts en vrai. Oh putain, on va mourir. Nash, on y va jusqu'au bout. Hein. Oh, c'est dommage. On a fait quoi? Du 2 pour 1. 3 pour 1, pardon. Plus Nash, c'est Hawk, je pense. Je pense que c'est ok. T'as dommage, Kindred, elle s'est ramenée. Peut-être du ulti instant. Dali qui a sa game en noir et blanc. Je vois, je vais faire une QSS. C'est pas mal. Ou Banshee. Après, Banshee, le problème c'est que c'est long à avoir en fait pour la MR. QSS c'est mieux, QSS c'est mieux. En rouge, ça me permettra de item run le train. Bon, ça c'est pas si mal. Faut juste pas qu'il meure. Faudrait qu'il appuie sur B instant là. Ok, nice. C'est pas ok, ils vont prendre l'inhib. Ah bon? Ah merde, putain, bah du coup j'avoue que... Ah j'avoue que c'est chiant s'ils prennent l'inhib, j'avoue que c'est chiant. Pas trop comment on va faire. J'espère qu'on pourra le défendre. Ça, ça passe, ils prennent 2 kills de plus, je crois pas qu'on a eu... qu'ils aient eu de shutdown particulier. Et on a eu T2 bots. Donc là, il faut savoir ce qu'il nous faut, ce qu'on fait du Nash. Il nous reste quoi sur... Pan, Tegragas, bon, c'est bien, c'est des bons targets. Un speed pusher et un mec qui va grouper avec l'équipe. Ça, par contre, j'ai pas beaucoup vraiment accès à du phare. Kindred derrière là. Oh, Tryndamere, c'est un boss. Putain de merde. Je vais me faire le Drake moi. C'est vraiment le counterplay que j'ai à ces moves, c'est vraiment vraiment limité hein. Ah ils sont fumés. Pas interramping hein ce chien. C'est soit je backais, soit j'allais faire le Drake. Je pouvais jamais fight avec eux. Ok nice, j'ai tué quelqu'un. Bon j'ai ma QSS. Non oh, y'a plus de raid c'était sûr. J'ai pas vu ce qu'il a de la vue en plus. On a pas fait grand chose avec le Nash pour l'instant. Tryndamere c'est un monstre. Trop chiant. Oh, y a une bique là. Hop, on joue la vision. Déjà 24 de score de vision. Il nous reste 2 secondes de Nash, on va voir un enfer. C'est ok, ça nous aura fait des gueules. Pardon, j'ai un peu paniqué. Ok, il l'a ult. Je pense que je vais go quand même dans le Nashor là. Avant de terminer mon item. Là c'est pas trop mal, ça me fait. Ouais, faut que je mette un peu de gueule quand même. En vrai, la QSS c'est pas trop mal, ça me donne de l'AMR pour les AP. De quoi QSS le saut de Trin. Je terminerai, je transformerai en Scimitar tout à l'heure donc pour l'AMS ça va être aussi cool. Il est mort, bon il a l'ulti au pire. Ok
Ok, on a forcé l'ulti de Trin. Après, il jouait 40% de CD, hein, donc je pense qu'ils veulent vite le récup. Mais si on trouve un fight soon là. Ah non, Zonia, ok. Je le décale. Okay, je vais bien prendre le scuttle. Histoire d'avoir le contrôle un peu autour du Nash. Je suis pas capable de me le voler. Oh. Ward là, non? Vas-y, bye back. Je vais back aussi. Est-ce que je peux avoir une stopwatch? Ah, je pourrais pas. C'est chiant. Pourrais, mais j'ai mon flash et Trinda a pas de flash, donc je pense que je vais rester comme ça. En fait, c'est je prends l'AP, je vends ma Doran Blade et je peux acheter une stopwatch, mais j'ai trop besoin de l'attaque speed. Mais là, c'est ok, je pense. Oh, putain. Il y a pas panique. Snipe it, boys. Vas-y, go, venez, venez. Enfin, avec Kessa, quand tu flash, tu Q et tu tues les gens. Oh, il a l'ulti, hein, je le sais. C'est bon, on fait le nage, il peut pas venir, il le sait, on le sait. Tout le monde le sait. Ok, good job. Il y a un fire soon. J'ai une stopwatch. Oh putain, non, je déteste faire ça. Oh putain, je déteste faire ça. En fait, mon bind stopwatch et QSS, c'est le même. C'est C, donc ça la touche C, que je mets donc en 5ème position. Et le problème, c'est que sur Kessa, eh bien, il m'arrive d'avoir les deux objets en même temps, comme là. Et ça m'arrive très souvent, du coup, de ne pas faire ce que je voudrais faire. Peut-être que je la place un deux bind. C'est assez ponctuel, enfin genre très particulier comme situation. Il faut bien que je me rappelle que mon Zonia est en 3. Il go sur qui là? Ok, je vais décaler aussi le cover. Tant qu'il dash pas, je go pas. Hein. Salut, pardon. Ah, j'ai pas eu Trin. Merci, mais j'ai pas flash out. Ah, j'ai un peu panique ma stopwatch. Ok, nice. Ah, j'ai un peu paniqué ma stopwatch, je pensais qu'il allait l'équipe. Merci à toi, Vincinus, pour le sub. Oh putain, je suis en train de remercier un sub alors que... Putain, il troll, il troll. Pourquoi est-ce qu'il va taper la ward? Il va taper la ward en mêlée, ça nous a tellement mis dans la merde. Oh, c'est trop en V9 en fait. Don't die, bro. Ouais, Yend, hein, s'il meurt. On va go Scimitar, hein, du coup. Chercher un peu de sustain.
Ah, j'ai Yasuo qui vient m'aider dans 3. Oh, c'est perdu, putain. Non, Tryndamere a tellement un VS9. Il a tellement un VS9. Il était si fortiche. Trop broken, en vrai, Trinda. Merci à toi, Wade, pour ton resub de 3 mois. Attends, je vais monter le son des annonces, parce que j'avoue que j'entends rien du tout. Je suis désolé. Tac, 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 tac. Normalement, c'est bon. Je suis vraiment navré si j'ai raté des subs. Qui est-ce qu'on va honor? Je pense que je vais honor Gragas, en vrai. Oh, il a fait une bonne game. Putain, le Tryndamere, en moins 18. Ils ont honor 5 kicks en plus. What the fuck? Après, peut-être qu'il a carré mentalement, mais... J'ai vraiment l'impression que, genre... Oh, les gens savent rien en face à part lui. J'arrive, moi, ma game c'était y'a Tryndamere, il nous fume. C'était ça ma game. Genre, en vrai, Senkux avec son Sylas, il m'a pas du tout posé de problème. Il a fait un bon move au Drake, mais il a vraiment pas posé de problème. Bon, c'est dommage. C'était une game qui était pas trop mal de ma part, mais je pense que le call Drake nous a. Enfin, en fait, le call était fine, mais la manière dont on l'a géré était vraiment pas ouf. Après, j'avoue que l'ulti pente de Sylas nous a un peu baisé aussi, je m'attendais pas à ça. J'aurais dû être un peu plus prudent. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous à vous.